Veut dire tolobé la vie. L'objectif de la société Mwamba et Consulting est de partager, sous forme d'avis et de conseils, sa longue expérience dans la pratique des affaires en RDC avec tout promoteur de projets d'investissement désirant s'installer dans notre pays. Voulant ancrer son action dans les valeurs humaines et éthiques, nous avons fait appel à vous, Monseigneur, pour marquer du sceau de la bénédiction divine le début de nos activités. C'est ce que vous venez de faire très volontiers. Nous vous remercions pour votre disponibilité et remercions également tous les invités pour avoir répondu
et honorer de leur présence cette modeste cérémonie et je vous remercie. Veut dire tolobé la vie. Nous sommes en face de Monseigneur qui est très connu. Il est le frère du fait papa Étienne Tshisekedi à Mulumba. Je crois qu'avec lui, on va pouvoir s'entretenir juste pendant 2-3 minutes si les protocoles nous donnent vraiment l'accès. Eh bien voilà. Bonjour papa. Bonjour. Vraiment très content de vous recevoir aujourd'hui. Quel est le pourquoi de cette rencontre aujourd'hui? L'inauguration de ce bureau, c'est un bureau d'études, hein, Mambaye Consulting, donc, qui va démarrer dans cette ville et nous espérons qu'ils auront plein succès. Comme c'est un moment où il y a beaucoup d'entreprises qui veulent venir dans le pays avec les changements qu'il y a eu, nous leur souhaitons en tout cas plein succès. Juste une assurance à propos de la crédibilité du bureau, parce que les gens de partout, ils cherchent à venir investir. Est-ce que ce bureau d'études est vraiment crédible? Mais je pense que oui, hein, parce que tel qu'il est situé, à l'endroit qu'il est situé, je pense que c'est un bureau qui pourra avoir du succès, je pense. Merci pour vous laisser dans le cadre de la famille. À quand le retour du corps du papa Tshisekedi? Bon, ce sera peut-être le mois prochain, mais la date précise n'est pas encore retenue. Ce sera bientôt, on le dira. Avez-vous un message particulier adressé à tous ceux qui vous suivent de partout? Parce que quelque part, les gens étaient un peu mécontents de prêtres catholiques, surtout ceux de la Cinco. Et vous, en tant que membre de la famille prêtre aussi, un mot? Non, il y aurait erreur de croire que la Cinco s'est trompé en insistant sur la nécessité de la vérité des urnes devant la CENI. Ça, c'est un principe qui restera toujours tenu par la CENCO. Mais il y a eu, je crois, des excès dans la communication où on a dépassé un peu les limites d'un observateur. Donc la CENCO, avec son statut d'observateur, ils ne peuvent pas avoir la totalité des résultats pour avancer des tendances et même des chiffres. C'est là qu'on peut regretter ce qui est arrivé, mais j'insiste sur le fait que la CENCO a toujours travaillé pour que la vérité des urnes soit reconnue par la CENI. Vraiment, je vous remercie. Ok. Merci. À tout seigneur, tout honneur, il s'appelle Rigo Mambaye. Rigo Mambaye, bonjour. Bonjour, monsieur. Sans rival. Mon ami sans rival. Oui, alors, juste un mot à propos de cette agence, de ce bureau d'études, et puis l'adresse. L'adresse, nous sommes sur l'avenue Mongala, numéro 10. C'est là où nous allons œuvrer, à Gombe, derrière l'avenue de Photogui, en face, plus précisément, une référence, c'est Midema. Donc, nous sommes là, c'est une maison, une nouvelle maison de promotion qui va commencer à œuvrer sur les études et puis recevoir tous les investisseurs qui vont commencer à venir. Nous allons les faciliter parce que vous savez, à l'époque, il y avait trop de tracasseries, trop de problèmes. Mais nous avons des équipes qui vont faciliter le travail de nos partenaires qui vont arriver.
vis-à-vis de, du gouvernement, d'autre part la présidence. Donc, les contacts. Les contacts, vous pouvez nous voir à tout moment. Il y a les numéros de téléphone, c'est les 082 00 83 934. Il y a aussi l'autre numéro, 243. Ton numéro est mis. Hein? Oui, le temps que ça puisse venir, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup d'escrocs à Kinshasa, s'il vous plaît. Moi, je suis l'ami intime du président Félix Tshisekedi. Moi, je suis son propre frère. Moi, je suis pour escroquer les investisseurs. Voilà la voie par laquelle il faut passer. C'est le bureau d'études Rigaud Mambaye Consulting. Ah oui. Rigaud Mambaye Consulting. C'est le numéro 089 44 37 535. Vous répétez ? Oui, 089-44-37-535. Ok, juste un message, on vous suit de partout. Le troisième numéro, c'est 081-761-37. Ça, c'est une bonne chose. Aux anglophones qui vous suivent en ce moment, can you just say in English? Ok, brothers and sisters from all over the world, I think we are very happy to welcome people who are feeling like they are brothers to Congolese people who want to come and then have projects to build our country together. You are welcome. This is a new office that we did opening, so we welcome every investors who want to follow the procedures. We are here just to facilitate and then to avoid people to go in a wrong way. You are welcome to Congo. Vraiment, merci beaucoup. Il y a sur les athées qui ont terrasse, vous avez investir. Vous avez investi dans la terrasse. Vraiment, papa, juste un mot de la fin, si vous en avez. Mot de la fin, Nasengi Bandeko, Oyo Vazali na Bandeko na Bango Moussou à l'étranger. Bamekako transmettre un message que Masano et Silisiko et Makambouya ba investisseurs pour na Mbokanabiso. Donc, ceux qui Bozali na besoin, Boye, Tokope Sabino, orientation. Tokosel Sabino, Bogozo ba contact nyo ce qu'il faut vis-à-vis Nabiso Simanabiso na ba conseil pour na kokende liboso na kantina suki wana. C'est par là qu'on met un point final à notre tranche. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je crois à ma gauche Francis. Francis, bonjour. Oh, bonjour. Je vous suis de partout, Emou. Oui, c'est une grande joie de participer à cet événement d'inauguration de ce bureau, le bureau de liaison. Et puis pour. Est-ce que les gens peuvent avoir confiance à ce bureau? Oui, les gens peuvent avoir confiance puisque nous qui sommes là, nous connaissons réellement l'objectif et nous connaissons la source ou l'origine de ce bureau. C'est un bureau très crédible et qui facilite les investisseurs à venir dans notre pays pour investir dans le cadre des affaires. Oui, ce n'est pas un bureau qui va fonctionner comme les bureaux précédents, hein, mais ça, ce bureau va promouvoir les investisseurs enfin de donner du travail au peuple congolais. C'est un bureau crédible et confiant, donc que tout se passe par ces bureaux et ils vont voir du sérieux. Vraiment, ils vont voir du sérieux. Merci à moi. Oui, fini avec l'histoire des bureaux satellites, bureaux mallettes. Ça n'existera pas ici chez nous en RDC. Nous invitons tous les investisseurs, des fournisseurs, des bonnes volontés, qui ont des bonnes volontés d'abord de part, les changements de mentalité. Et l'histoire des 10% en avance, tu n'as pas les marchés, nos 10% en avance, ça ne peut pas exister, c'est fini. C'est pourquoi nous vous demandons, et de tout ce qui nous lie aujourd'hui, de venir faire confiance. Vous m'avez fait confiance à ces bureaux, Rigaud Mambaye Consulting. Il y a un homme très connu au niveau de l'UDPS, il est très crédible, en tout cas, Aza vraiment crédible, Makassi, Babengue Fumu, Sabata, Yaban Fumu, Kassiye, bonjour. Bonjour, Ndeko. Basou Landou, partout, Yoko Sakate, Lubakabe, Bossolo. Alors, il y a des services au Bossolo, Masola Bureau, Oezanengini. Bon, tant que Bomoun Nganazali, Awa, donc ça veut dire, il y a du sérieux. Parce que notre président Étienne Tshisekedi, il a lutté durant tout ce temps pour Nakolukakocha ordre. Ça veut dire qu'il dit ordre, ça veut dire qu'il y a du sérieux, il y a l'honnêteté,
il y a la clarté, la transparence dans tout ce que nous pouvons faire. Il y a un bureau où ils allaient causer là. Mais investisseurs, cheminement. Il y a quoi mikanda ils allaient légal sur le plan juridique. Quoi assurer pour la sécurité. Il y a investissement là bango. Naba bien haut bako mettre en pratique pour bah se retrouver et l'État congolais se retrouver pour na kati ya makambu nyoso et ali pour na avantage à peuple congolais pour bah se retrouver parce que nous sommes là pour travailler pour ce peuple qui a été toujours trompé, qui a toujours été bah pesa ye ba investissement moko o yazo ko consommer sans ye avantage na bango ba ye ba ndeni no ba ki ko évoluer. Mais cette fois-ci nous avons tout un bureau oyo ezali lu sous même ya présidence pour na koyé ba comment ko encadrer ben investisseurs nyonso. Donc on a no sabino boya direct là où fumu sabata se trouve, il y a du sérieux na linga ba aventure parce que na yebi souci à président na ngenge là où fumu sabata se trouve, il y a du sérieux. Et ben voilà, comprenez-vous qui habitez partout dans le monde Europe ba ni zoé et longo na papi genetta la alors awa vraiment ezo senga climatiseur. Merci vraiment, merci. Merci Ndeko. Tukutani balasi. Baninga tango kokie. Papi gene tolo bela vie. Papi gene tolo bela vie. Papi gane tolo bela vie. Point si coin, moto teo, tolo bela vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolo bela vie. Papi gane. Papi gane tolo bela vie. Papi gane tolo bela vie. Boyoki. Toro bela vie. Tu m'entends, Ngoya.